Salut, salut, chers abonnés de la chaîne, là, cliquez pour gagner. Comment vous allez? Vous allez très bien. Alors, je dis déjà joyeux Noël hein, à toutes les personnes qui vont célébrer cet événement et bonne heureuse année à toutes les personnes qui célébreront aussi cet événement. Donc, ça ne serait pas la dernière vidéo avant la fin de l'année, mais je tiens à vous dire bonne fête à tout le monde. Hein, bonne fête à tout le monde. Alors, donc, nous allons voir que le marché des crypto-monnaies est dans un bain de sang. Parce que les fêtes s'approchent. Les gens sont en train de liquider. C'est la liquidation des crypto-monnaies actuellement pour acheter, c'est pas, des poulets braisés. Donc, c'est peut-être c'est ça qui se passe. Supposons que c'est ça. Mais souvent, c'est un cycle qui est commun. Voilà. Alors, donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi à cette chaîne parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Et on va parler de l'événement qui s'est produit au Bénin récemment. Et aussi, certains, vous allez voir comment le métaverse en vidéo, comment se passe le métaverse. J'ai expliqué ici les avantages et les inconvénients du métaverse. Une vidéo à regarder à tout prix. Ceux qui regardent cette vidéo pourront comprendre cette vidéo-là vers la fin. Alors, sans plus tarder, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement, active la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, allons-y. Ici, il y a un arrêté qui est sorti récemment. Communal, bien sûr, c'est pas d'une mairie du Bénin, notre Bénin préféré. Alors, donc, le maire, en ce sens, avec bien sûr ses conseillers, ont arrêté, on dit, toute activité liée aux crypto-monnaies et aux machines à sous dans la commune. Donc, voilà, toutes les activités qui sont liées à la crypto-monnaie et aux machines à sous. Je sais pas, même. Quand même, j'ai lu ça là même là, je me suis posé assez de questions. Je me suis dit, machine à sous là, ça vient faire quoi dans cette affaire? Oh. Mais ah, c'est l'arrêté de nos autorités, on va faire comment? Alors, on dit activités liées aux crypto-monnaies. Les activités liées aux crypto-monnaies. Les activités. On ne dit pas, hein? Les crypto-monnaies, on dit les activités liées aux crypto-monnaies. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines activités qui sont liées aux crypto-monnaies. Ça veut dire que les crypto-monnaies, on peut dire les activités liées au dollar américain. Donc, ça veut dire que les activités liées au franc CFA, les activités, on dit aux crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies servent de moyen de paiement, de transaction entre un point B et un point A. Ou entre un point A ou un point B. Donc, cet arrêté n'interdit pas les crypto-monnaies, mais interdit plutôt certaines activités toutefois liées aux crypto-monnaies. Alors, aujourd'hui, c'est le maire d'une commune qui a mis cette note. Je pense que, dès que si j'ai le temps, je vais envoyer un mail même à leur adresse mail. Peut-être pour essayer de leur expliquer comment fonctionne la crypto-monnaie. Peut-être que l'explication, je suppose, hein, au niveau administratif, n'a pas été vraiment très claire. Il y avait des arrêtés étatiques gouvernementaux qui sont sortis aussi, entre-temps, en demandant certaines activités liées aux crypto-monnaies, comme il y avait une autre comme cela, comme ils ont cité Petronpé et Saourou. Et l'implément et tout cela, ils avaient cité ça. Donc, on a cité ces activités-là. Mais ici, on remarque qu'il n'y a pas, on ne nous a pas cité ces activités-là. On nous a juste donné des articles qui pénalisent ces activités-là. Oui, mais quelles sont ces activités-là? Supposons que celui qui a sa boutique, qui accepte les crypto-monnaies comme moyen de paiement, lui aussi fait partie ou pas? Ça, c'est une question que je n'ai pas encore compris. Mais comme ceux qui sont dans ce groupe, dans ce groupe, cliquez pour gagner sur Telegram, dont je laisse en description cette vidéo. Nous allons animer un catch voice dans les jours à venir pour déchiqueter, pour parler de ça, de fond en comble sur cette note officielle. Donc, si vous connaissez des gens de cette commune, invitez-les à venir dans ce catch voice afin qu'on puisse comprendre les uns les autres. Hein, c'est ou bien répondre à certaines de nos inquiétudes ou essayer de clarifier certaines choses qui n'ont pas peut-être été toutefois claires dans cette note. Donc, c'est certaines activités. Mieux les lister ces activités-là que de dire que vous voulez arrêter les crypto-monnaies. C'est impossible. C'est impossible. Alors, ça, c'est la première partie de cette vidéo. La deuxième partie de cette vidéo,
On va parler de métaverse. Regardez un peu une vidéo résumant le métaverse. Regardez bien. Résumons un peu le monde métaverse. Regardez. En fait, c'est comme ça se passe. Tu vas mettre un casque, voilà. Et là, tu pourras être dans ton monde virtuel. Et regardez un peu. Ça existe déjà, ça existe déjà même avant que Facebook le nomme. Les gens qui ont les PlayStation là, vous allez remarquer que il y a vous pouvez vous projeter dans le monde. Ça existe déjà. Le métaverse existe déjà avant même l'annonce de Facebook. Vous pouvez vous projeter dans un monde et jouer, combattre. Donc sûrement ils sont dans un jeu, ils sont en train de se combattre. Donc c'est le monde virtuel, regardez bien. Voilà. Le monde de métavers sera déjà, c'est une idée. Ça, c'est sûrement sont en train de jouer. Sûrement, c'est sûr qu'ils sont en train de jouer. Mais supposons que il y a les avantages, hein. Il y a assez d'avantages dans le métavers, mais il y a aussi assez d'inconvénients. Hein, les gens, c'est ça, c'est difficile. Hein. Chez métavers, c'est jamais soit les bienvenus. Regardez un peu comment ça va se passer. Vous allez vous asseoir, vous allez, voilà. Ici, sûrement sont en train de jouer parce qu'il y a ceux qui ont le PlayStation. De certains jeux, vous pouvez jouer avec certains, voilà, certains outils. Je vais sortir jouer. Mais c'est un peu une réalité. En résumant, le métaverse, hein? Notre monde virtuel. Donc c'est comme cela, nous allons rester dans ce monde. Mais il y a les côtés positifs. Les gens qui vont pouvoir faire des réunions, les gens qui vont pouvoir étudier des maquettes, les gens qui vont. Il y aura beaucoup d'avantages. Mais il y aura aussi ça aussi. Donc juste pour que vous puissiez rentrer dans le rythme déjà, quoi. Vous comprenez? Alors donc. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe, dans ce groupe, rentrez dans ce groupe parce qu'on va faire un chat voice très bientôt en analysant de fond en comble cet arrêté voilà, de cette commune du Bénin. Je pense que ça serait intéressant. Donc, mes frères et soeurs, on se dit à la prochaine vidéo et ciao.